Marie-Enregistrement. Et bienvenue pour un gameplay sauvage, les gars. Un gameplay du soir qui fait plaisir. J'ai plein de choses à vous dire. La vidéo va pas durer très longtemps. J'espère que le son ne déconne pas. Ça va faire 10 fois que je fais cette vidéo. J'en peux plus de vivre, les mecs. Mais, je voulais quand même vous présenter un petit peu de gameplay de ce Dark Sider Genesis qui est pas mal du tout. Allez, c'est parti. Après, je vous dis toutes les infos que j'ai à vous donner. Allez, hop, on y va, les gars. Alors, c'est un prétexte, ce jeu, en fait, pour vous parler de demain. Demain, qu'est-ce qui se passe, les mecs? Demain, avec le Chefs, on a bien sûr pris rendez-vous avec vous. Oui, on a pris rendez-vous avec vous pour justement regarder les vidéos, ou la vidéo plutôt, de gameplay de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Voilà, les gars. Parce que ça, justement, ça nous intéresse, les mecs. Et on veut savoir de quoi il va en retourner. Parce que voilà, le jeu, c'est le jeu le plus attendu chez les darons. Bon, il n'y en a pas beaucoup hein, chez Nintendo ces temps-ci. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais écoutez, hein, quand il y en a, il y en a. Hein. Donc on va pas se plaindre. Donc voilà, donc on attend ça avec impatience. Je serai accompagné de mon petit Chebs. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le petit Chebs, il sera à côté de moi, le gars. Et ouais! Donc on va pouvoir vous présenter ça de chez moi, tranquille. Alors, bien sûr, vous aurez droit au bruit de fond de ma fille, ou de mon fils, ou même de ma femme. Voilà, donc ne vous étonnez pas si c'est un peu le bordel. Mais en attendant, quoi, ben on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors, par contre, ici, attends, je dois aller où, là, du coup? Moi, je me trouve là, devant moi, je crois qu'il y a une porte. Allez, on va aller voir. Et là, il y a des trucs bizarres, je sais pas s'il faut que je le prenne. Bref, du coup, dites-moi bien sûr dans la case commentaire si vous aussi vous attendez ce jeu. Alors, on peut pas y aller. Ah, si, on peut y aller, ouais. Ah, bah, en fait, il y avait que ça. Bon, ok. On peut y aller. Eh bien, très bien. Alors, allons-y. Sortons de ce trou à rats. Maintenant, je vais aller un peu me balader. Attendez, vers où? Toc, toc, toc. Vers là-bas. Ouais, bon. On va se balader tranquillement. On va pas se prendre la tête. On va espérer quand même qu'il y ait des petits ennemis. J'espère surtout que vous avez le son du jeu. Ah, voilà les petits gobelins, là. Je sais pas comment ça s'appelle, cette saloperie. Ces saletés, là. Le jeu, là, que je vous présente. Franchement, je m'attendais pas à grand-chose. Et j'avoue que j'étais agréablement surpris par son gameplay. Qui des potes. Alors, attendez, je vais prendre plutôt son frère. Qui va prendre la potion. Parce que le frangin, il a des armes. Et c'est bien pratique. Voilà. Oh putain, mais par contre, ouais. Si tu te la joues comme ça. Oh putain, mais ils sont méchants. Oula, je vais pas faire long feu. Oula, je vais pas faire long feu, les gars. Ah ouais, là, ça va être compliqué. Ah, ça, il faut pas qu'il me touche. S'il me touche, je suis mort. On va essayer de faire ma botte secrète. Putain, il s'est échappé. Botte secrète, on a... Putain, je vais crever, les mecs. Je donne tout ce que j'ai. Hein. On va essayer de franchir à distance. À distance, on a dit. Ça peut passer, les gars. Faut y croire. On va jouer. On va se la jouer subtil. On va essayer de pas crever. Putain, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Allez. Ça, c'est pas mal. Allez, on va le mettre des bonnes bastos. Voilà. Ça, c'est le beau jeu, ça. Voilà. Un bon petit jeu arcade. Comme je les aime. Alors, c'est un Hack and Slash, apparemment, le nom. Hein. Excusez-moi, moi, je. Excusez-moi, messieurs les PCistes. Hein. Je débute, hein, voilà. Avant, moi, avant, tout ça, j'étais un consoleux. Hein. Donc, je ne connais pas encore bien ces genres de jeux. Hein. Mais franchement, pour moi, c'est un jeu d'arcade, ça. Tu tires dans le tas, tu te défoules, c'est un jeu d'arcade. Donc, voilà, cette vidéo, voilà, c'était surtout un prétexte pour vous dire rendez-vous samedi, les gars.
rendez-vous samedi, quoi. Parce que moi, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Est-ce que c'est un futur hit en présence? En puissance, pardon, pas en présence, en puissance, ce Hyrule Warrior, ben on va voir, hein. Bah, y a des trucs là-haut. Apparemment, il peut escalader. Oula, mais pas tout. Oula, attendez, hein. Est-ce que je peux passer par ailleurs? Par là, est-ce que je peux passer? Ouais, voilà. Oh, le con. Mais lui, il est méchant. Mais il fait mal. Va falloir arrêter, va falloir se calmer, mon gars. Ok. On peut monter aussi par là? Non, on peut pas là. Oh là là, ça a l'air compliqué là. Non, je pense pas que tu puisses. Non, je pense pas. Ok. Il y a encore des méchants. Voilà. Ok, très bien. Donc rendez-vous 15h les mecs. Hein. Samedi, je vous répète, 15h les gars. Avec mon petit chef. Bien évidemment, quoi. Parce que même si on joue plus trop ces temps-ci à la Switch, on est quand même des amoureux de la Switch. Et là, on est... Je vous dis, hein, quand le Hyrule Warrior il va sortir, Hyrule Warriors, pardon, l'ère du feu va sortir, je pense qu'on va se régaler. Voilà, quoi. Moi, j'hésite toujours à me prendre, je vous le dis entre nous, hein. J'ai toujours à me prendre la trilogie là, de feignants, là, qu'ils nous ont fait. Parce que c'est vrai que ça me manque un peu, là, les jeux de plateforme Mario. C'est vrai que le Sunshine, j'aimerais bien y rejouer. Même si, voilà, j'aurais préféré des meilleurs graphismes. Qu'est-ce que je veux que je dise? Donc, bientôt mon anniversaire, ben, je pense que je vais craquer. Hein. On va voir. Hein. J'hésite entre celui-là et le... Je sais plus comment ça s'appelle, le Squadron, là. Ah, attention. Attention, l'ascenseur, les gars. Et ce jeu, je voulais quand même vous le présenter parce que le jeu, il est bon. Et c'est sérieux, moi je suis vraiment surpris parce que bon, je connais la série, hein. Plus ou moins on va dire. J'ai pas joué au 1, j'ai joué surtout moi au 2. Le 3 je l'ai testé un petit peu sur Game Pass. Et celui-là je m'attendais vraiment à rien du tout. Et franchement c'était vraiment la belle surprise, quoi. Parce que le jeu il est bon. Le jeu il est bon, c'est un bon défouloir. Et le duo là il marche super bien entre Discord et son frère War. Et non, c'est non, franchement, il est bien. Alors, un jeu qu'on peut jouer, on peut jouer à deux aussi. Donc, je verrai avec mon petit Shebs si on peut pas se faire une partie ensemble. Ça pourrait être sympa, quoi. Ça pourrait être rigolo. Regardez, parce que si je vais ici, là, bim, là, je vois, et là, normalement, là, j'ai le cop écran partagé ou inviter un ami. Eh ouais, les gars. Donc, à voir si le petit Shebs un jour il est chaud avec moi pour le faire. J'aurais bien voulu vous finir par un gros costaud, mais apparemment non, ça va être compliqué. Il y a quoi ici, là? Putain, ça, je... Attendez, là. Il y a quoi ici, là, les mecs? Parce que là, je vois pas. Là. Ah, par là, peut-être. Non, mais il y a rien, là, ici, les mecs. C'est le vide. Hein, c'est le vide. Hein, il me dit d'aller vers où, ce con? Parce que là, il y a l'ascenseur, c'est très bien. Mais l'ascenseur, si c'est pour aller nulle part... Merci, les gars, quoi. C'est quoi, cette histoire? Il y a cette porte, là. Je peux pas l'ouvrir. Ah, quand même. Putain, quel couillon aussi. Il suffisait de pousser. Allez, voilà. Petite basson et on va finir par là, quoi. Je vous l'ai dit, la vidéo elle va pas durer longtemps. Hein. Voilà, hein, c'était simplement histoire, quoi, de vous indiquer l'actualité des darons. Et ça se passera donc samedi, les mecs, à 15h, avec Chebs. Évidemment, avec Chebs. Bref. En tout cas, j'espère que ce petit gameplay vous a fait plaisir quand même. Le jeu, il faut savoir qu'il est sur Switch à 39 balles, ce qui est un scandale. Parce qu'il mériterait d'être plus vers les 20 balles. Parce qu'il faut pas abuser. Parce que même si le jeu il est marrant, sérieux quoi, c'est pas non plus un triple A. Hein. Mais bon, non, ils ont décidé de le faire à 39 balles. Hein. Mais bon, je pense qu'ils vont baisser le prix aussi. Hein. Parce que je sais pas qui c'est qui. S'il y en a beaucoup qui l'ont pris à ce prix-là. Hein. Mais après, c'est une valeur sûre. Hein. Si vous avez qu'une Switch et que vous voulez le tester, allez-y. Hein. Et apparemment, le portage en plus, il est bien fait hein, sur la Switch. Hein. Après, en même temps, c'est pas le jeu quoi qui demande le méga plus de ressources. Hein. Mais moi, ça, graphiquement, moi, ça me suffit. Parce que là, on parle tous, ils nous font tous chier avec la nouvelle génération là de consoles. Et rien que ça, moi, voilà, c'est le plaisir de jouer qui compte. C'est pas forcément les. Oh putain, on est. Ah ouais, on est chez Alibaba là. Il y a des 40 voleurs là. Regardez-moi toute cette thune.
Non, je dis, ouais, c'est pas forcément les graphismes qui comptent. C'est le gameplay, quoi. Alors, faut bien sûr un minimum hein, syndical hein, pour les graphismes. Hein. Mais bon. Moi, ça me suffit largement. Hein. Et là, on y prend plaisir. Allez, putain. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, on a dit? Qu'est-ce qu'il a, le gars? Voilà. Ah oui, il y en a qui en veulent encore, quoi. Voilà. Allez, finish him, mon gars. Voilà, mon gars. Ouais, il y a beaucoup de gars avec moi. Hein. Voilà, mec. Mais voilà. Non, franchement, le jeu, il est bon. Franchement, petit plaisir coupable, je l'avoue. Il est bien, il est bien, il est bien. Allez, allez, je fais celui-là et j'arrête. Ah, parce que sinon, moi, je m'arrête plus, quoi. C'est le genre de jeu, tu commences et tu t'arrêtes plus, quoi. Regardez. Ah, lui, il est chiant, ouais. Lui, c'est le gros costaud de la bande. Regardez, il brille en plus. Oh putain, mais il fait mal en plus. Il fait mal. On va finir sur le mort, je pense. Allez, allez, non, on peut l'avoir, on peut l'avoir. On peut l'avoir, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Il faut surtout pas rester trop près de lui. Merde. Oh là, merde. Mon frère va se venger, mon gars. Allez, hop, hop, hop. Hop. Bam. Il y a le chien fou là. Bam, bam. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ça cherche la bagarre? Pas de problème. Tu veux du bourre-pif? En voilà, mon pote. Allez, bref. Je m'arrête, je m'arrête. Je m'arrête ici. Pause, on arrête. On se dit, surtout, à samedi, les mecs. On se dit à samedi, je compte sur vous. Le chef dit compte sur vous. On sait très bien que vous serez présents pour la plupart, quoi. Et ça, ça va nous faire plaisir. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas, je vous dis, ça sera casse commentaire. Vous nous dites qu'est-ce que vous attendez de ce Hyrule Warriors. Est-ce que pour vous c'est de la bouse ou est-ce que c'est le jeu du siècle ou est-ce que c'est simplement un bon petit jeu qui permettra d'attendre le Breath of the Wild 2. Moi, c'est un peu plus ça, hein, j'avoue. Mais ça va faire quand même plaisir de retrouver son Link. Bref, je vous dis à très bientôt. Je vous kiffe. Je vous dis donc à samedi et passez une bonne journée, une bonne soirée. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao les gars.